La marche mondiale pour la paix et la non-violence. La première marche planétaire de l'histoire de l'humanité. La clameur de millions de personnes qui veulent la paix et mettre fin à toute forme de violence. Et l'homme vint. Il fut voix et il fut chant, dans un monde qui faisait du sens profond sa fierté. Ensuite, il parvint au pouvoir de tout changer. Alors ce chant d'amour et de paix se tut, jusqu'à ce qu'arrive le présent qui fit communiquer le monde. Ainsi, cette voix de paix et d'espoir peut maintenant s'ajouter à la danse, qui demande à l'homme d'être homme sans jamais exercer de violence. Certains ont dit « ça suffit ». Le moment est arrivé d'unir toutes les personnes qui veulent la paix et ne veulent plus de la violence. La marche mondiale pour la paix et la non-violence. La réduction des armements a commencé par le nucléaire. L'arrêt du funeste projet de militarisation de l'espace. L'engagement des gouvernements à renoncer à la guerre pour résoudre des conflits. La voix de ceux qui ne veulent plus de violence économique, ethnique, sexuelle, religieuse. La conscience qu'un monde non violent est possible. Donnons une chance à la paix. Une marche réalisée grâce aux initiatives de personnes courageuses et de collectifs, constituée par l'apport d'individus et d'organisations, ouverte à la participation active et à la créativité des initiatives. Et dont le flot s'accroît le long de son parcours. km², 5 continents, 90 pays, 100 villes, depuis Wellington en Nouvelle-Zélande jusqu'à la cordillère des Andes au parc Punta de Vacas en Argentine. Une équipe internationale de volontaires qui feront tout le parcours. 1 million de participants, 500 institutions, des centaines de rencontres avec des dirigeants gouvernementaux et religieux, des forums, des rencontres, des festivals, des conférences et des événements sportifs, culturels, sociaux, musicaux, artistiques et éducatifs reçoivent la marche lors de ces diverses étapes. Mais certains ont intérêt à empêcher la paix et la non-violence. Ils essaieront de freiner la marche, de discréditer son importance, d'étouffer son écho, ignorant des millions de personnes. Un monde sans violence est-il possible? Donnons une chance à la paix. Le futur dépend de nous. Construisons ensemble la marche mondiale pour la paix et la non-violence. Un pas vers la nouvelle conscience planétaire. Une conscience générale et globale qui rejette la violence. Adhère à la marche mondiale. www.marchamondiale.org. Des milliers de gens ont déjà adhéré.